Michel Drucker sera de nouveau sur le plateau de Vivement dimanche le 27 août 2023. L'animateur s'est confié sur son retour à la télévision après 6 mois de convalescence suite à une opération du cœur. Il est de retour. Michel Drucker, le présentateur phare de l'émission Vivement dimanche depuis 1998, a été opéré du cœur 2 fois à cause d'une endocardite infectieuse. La dernière opération remonte au mois de mars dernier et avait obligé l'animateur de 80 ans à prendre ses distances avec les caméras. Après 6 mois de convalescence, Michel Drucker a révélé être prêt à revenir dans l'émission dans une vidéo adorable avec sa femme Dani Saval. Il a même annoncé la date de son grand retour. Michel Drucker de retour dans Vivement dimanche le 27 août. Michel Drucker sait déjà quand il compte arrêter sa carrière à la télévision, mais rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. En effet, l'animateur de France 3 a dévoilé la date de son retour dans Vivement dimanche, il y a 2 jours. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, il se met en scène avec sa femme pour annoncer la bonne nouvelle. Le 27, tu seras à l'antenne ? Lui lance Dani Saval. Il confirme cette information, oui, le 27 août, avant de lui faire promettre qu'elle serait devant le poste de télévision pour le soutenir. Si est-il donc officiel, Michel Drucker animera Vivement dimanche ce 27 août à 13h30 sur France 3. Une émission qui a été enregistrée, ce mardi 22 août, et sur laquelle il s'est confié à RTL. J'étais très ému, Michel Drucker se confie sur son retour dans Vivement dimanche après l'enregistrement de son émission de retour sur France 3. Michel Drucker a pris la parole au micro de RTL pour livrer ses premières impressions. L'animateur s'impose des consignes très strictes depuis son opération au cœur, mais qui, heureusement, ne l'empêche pas de reprendre le travail. Ça va mieux maintenant. Je pense que je peux tenir le coup 2 heures sans baisse de régime, a-t-il expliqué avant de faire des confidences sur son angoisse post-opératoire. Ma grande angoisse, c'était d'avoir un déficit sur le plan neurologique compte tenu des heures d'anesthésie que j'ai eues en 2 ans et demi. J'avais peur de perdre ma vivacité, ma dextérité. Donc, globalement, ça s'est très bien passé. Michel Drucker a poursuivi son interview avec une réaction à son retour sur le plateau de Vivement dimanche. J'étais très ému également, parce que j'attends ce moment depuis longtemps. Ça fait des mois et des mois que je me disais, il faut que je revienne. Je remercie mes parents de m'avoir donné un tel mental, mais je suis un peu étonné quand même.